Aujourd'hui, la recette d'une sauce bolognaise exceptionnelle aux trois viandes. Bonjour, je m'appelle Cyril Wauquiez-Prévost, bienvenue sur ma chaîne. C'est parti pour la recette. Je prépare mes ingrédients. J'ai choisi trois viandes, un reste de rôti de bœuf, de la chair à saucisse et du veau déjà haché. J'aurai besoin également d'oignons, de carottes, de tomates fraîches, de céleri et de tomates en conserve, et bien évidemment du vin, de l'huile d'olive et plein d'autres ingrédients. Je commence par hacher mon bœuf. Pour que ce soit plus simple, je découpe ma viande en petits morceaux et je la passe au blender. Une fois ma viande hachée, je la fais revenir dans l'huile d'olive avec le veau et la chair à saucisse. Je fais bien dorer le tout. Pendant que ma viande revient, je prépare la garniture aromatique. Je coupe en dés, oignons, carottes et céleri. Je les fais caraméliser dans de l'huile d'olive. Et une fois qu'ils sont bien caramélisés et bien fondus, je les rajoute à ma viande hachée. Je mélange le tout. Je rajoute le vin rouge, puis du bouillon de volaille. J'ajoute du thym et une feuille de laurier et je laisse mijoter 30 minutes à découvert. Je prépare mes tomates fraîches, je les coupe en petits morceaux. Je les rajoute dans ma préparation avec les tomates pelées. Je mélange, j'assaisonne en sel et en poivre et je laisse mijoter 40 minutes à découvert. Au bout de 40 minutes, ma sauce est prête, bien épaisse. Il ne me reste plus qu'à la servir avec des pâtes fraîches, un peu de parmesan et du basilic. Mamma mia comme c'est bon! Si cette recette te plaît, abonne-toi, merci d'avoir regardé et à très vite!